Et bien bonjour à tous pour l'épisode 19, je pense, si je ne me trompe pas, j'espère. J'avoue que je commence à perdre un peu le fil. Sur Immortal Medieval, et c'est directement à la suite de l'épisode précédent, vous connaissez la chanson, donc si vous donnez des conseils, je n'ai pas forcément entendu parler de ceci maintenant. Donc, et peut-être parfois que je trouve tout seul la solution, comme par exemple avec ça. J'ai découvert tout seul et quelqu'un m'avait demandé, enfin m'avait dit de faire changer ça 2-3 jours après que je l'ai fait. Donc parfois je trouve quand même des petits couacs que je fais de temps à autre. Parfois. Parfois c'est pas le cas. Donc à l'épisode précédent, nous venions de vaincre une bande de tribus barbares. Nous venons également d'avoir un petit peu galéré pour reformer les pièges à cause de cette IA du malheur astral. Voilà. Tout ça, tout ça. Je me demande si je devrais pas refaire une nouvelle porte. Je fais des tests, hein. Je suis pas sûr que ça fonctionne. On va mettre une porte là. Ouais, on va faire ça. On va essayer de faire un coffre-fort au trésor. Et on a enfin commencé la production de pierre taillée. Donc on a déjà les premiers trucs ici. Et effectivement, ça ne se détériore pas à la pluie et à l'air libre. Ça on va transporter, ça on va transporter, ça on va transporter, ça également, il faut également qu'on nettoie les cadavres, la massue même si elle est bonne, franchement, et des cacahuètes sur ton petit, voilà, ça ne sert à rien, là, on va transporter, là, on a enfin la grange, les trois petits cochons. On a un de nos prisonniers qui peut de nouveau marcher, ce qui tombe très bien. Ce qui tombe moins bien, c'est que j'ai oublié de prendre la feuille avec les pseudos si jamais je dois en renommer. Ça tombe moins bien, effectivement. Je ferai ça. Au pire, c'est pas grave. Vous m'entendrez me lever, ça va faire du boucan pour rien. Je chercherai la feuille en direct. Sa cuisine, ça va lentement, on accélère. Il y a 22 tortillas pourries dans le stockage. Ben oui, mais. C'est pas grave. Wurgzar gris. Voilà, ça c'est bien. Voilà, là on a enfin fini de la construction de la. Du petit truc au trésor. Alors on a encore des petits problèmes de loupiote, semblerait-il. Chez Hearth, donc loupiote. Loupiote, c'est bon. Là, c'est pas bon. Loupiota, loupiotie, loupiote. Ça va être chiant à chaque fois de regarder si les torches sont détruites ou pas. Ça va vite devenir un peu casse-bonbon. On pourrait aussi bientôt penser à faire une petite route entre le château et tout le reste, mais là on n'a pas encore assez de petites pierres. Fidalino y travaille, Fidalino ne va pas cesser d'y travailler maintenant, on a besoin de tout ça directement. Ah, on a aussi des tâches, des sculptures, ça peut être sympa de faire des petites sculptures comme ça. Faire une sculpture grandiose, ah bah oui, ah bah carrément. Avec... avec de la pierre... Ah oui, est-ce qu'on a du marbre? Calcaire, granit, calcaire, granit, calcaire. Ouais, c'est que de la pierre de mer, je pense. une statue grandiose en calcaire, franchement, à part dans les pipes, ça fait pas grand-chose comme effet. Bah bon, on va voir. Bon, tu le fais avec ce que tu peux, ça va? Parce que. Là, dans l'immédiat, je a besoin de matériaux. Donc, t'as besoin de ça, c'est ça? Il te faut quoi comme matériaux? On va laisser s'entraîner avant de commencer à faire quelque chose de trop. Requiert 260 ingrédients utilisables. Oui, donc des trucs comme ça. Il faut 260 blocs de pierre taillée, c'est ça? Ouais, donc il y a encore du travail à faire. Je t'en prie. Une dinde se venge
Oh, la reine sanguinaire a encore. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait à la dinde? Oh là là, mais la reine, c'est Cersei Lannister, quoi. Elle a aucun respect pour rien. Oh, elle a tué la dinde. Pandade, tu vas transporter la dinde. Tiens, pendant que tu y es, la reine. Pendant que tu y es. Ton sang n'est pas encore. Ton envie sanguinaire n'est pas encore assouvie. Mais tu l'achèves? Non, toi pas là. Viens, tu la meurs, meurs! T'arrives. Allez hop. Mais pas là, mais non! Ah oui, il n'y a plus de place. Ah oui, y a plus de place. Il y a de nouveau plus de place. Bah si, y a de la place. Bah arrêtez de casser les pieds. Plus de cadavres là, non. Allez, zou. Allez, s'il te plaît. Non, pas le cabouret. Et pas enterré. Je veux juste mettre de là. Des cadavres d'animaux. Je peux mettre ça là. Pourquoi? Y a pas de place. C'est ça? Y a un truc invisible qui est mis dessus. L'arène. Ça fait griffer par une nade. C'est pas ça, ça peut être violent une nade. Hein. Ça peut être très violent. Les dindes royales. Qu'est-ce qu'elles foutent là? Allez, rentrez. C'est pas. Est-ce que les dates royales sont autorisées à être dans. Oh là là, il y a plein de trucs que je dois changer. Je fais n'importe quoi. Supprimer de. Glouglou royal. Mais non! Mais c'est pas vrai, mais non, petit bisou. Non. 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 Pourquoi j'ai laissé ça, moi? Sérieusement. Vous savez quoi? Vous n'allez même pas là, parce que c'est souvent là des zones de conflit, donc on va éviter. Zou, supprime tout ça. Le dadon ne passera pas. Il n'est pas présent. Allez, zou, zou, zou. Allez, hop. Il ne le casse pas de nulle part. Dehors, vous avez votre propre petite habitation. Maintenant, vous sortez d'ici. Voilà. Je pense que ça, ah, c'est bon, hein, hein. Si vous voulez. Allez, on va être gentil, voilà. Ça, vous pouvez brouter un peu plus loin. Y a pas de souci, mais c'est tout. Allez. Dehors. Dehors. Maintenant. Zou! Mais sérieux, c'est quoi ça? C'est une porcherie cette cour! Non mais tu vas cuisiner de la viande. En priorité, ma grande. Hein. Les steaks, c'est en priorité, les steaks. On me la fait plus à moi. Par contre, je crois que maintenant on a la possibilité de. Ça, on va faire ça en bouclette. Voilà. On fait ça en bouclette. Parfait. Au niveau du bois, comment est-ce que ça queue? Ça queue beaucoup, hein. Ça queue toujours beaucoup. Ça queue beaucoup, beaucoup. Ça queue beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'on peut te demander de transporter des trucs, toi? Transporter, non, tu n'es pas assez intelligent pour le faire. Toi non plus, je pense. Toi non plus. L'alpaga sans façon. Le cochon, pareil. Ouais, bah oui. Bah. Faudra un chien. Hein. Un chien ou un loup. J'avoue que on pourrait tenter de prendre le loulou. Elle est loulou des bois. On va l'apprivoiser. Ouais, le warg là, par contre. Tu restes bien où tu es. Loulou des bois. Qu'est-ce qui tu. Non. Non, loulou, tu vas. On va transporter du bois. Oh, ça rame. Oh, ça me saoule, ça. J'ai rien à faire contre. Hein. Vosabix, le balai va. Va nettoyer le sang. Il fait son travail.
Animal fou, une tortue folle, ma. Attention tout le monde. Yonda, attention. Waouh. C'est du vaudou ça. Au moment où la tortue a bouffé la jambe gauche de Yondo, il y a l'autre qui peut remarcher. C'est du vaudou. Il y a du vaudou. Le vaudou est présent. Allez, mais tue cette putain de tortue! Merci. Oh, je suis vulgaire, mais. C'est une tortue, quoi. Mais s'il te plaît. Wouah! La tortue qui massacre tout le monde, quoi. Oh! La tortue des enfers, hein, c'est du vaudou. Le vaudou est présent. Ok. Ça se passe bien, pas d'infection, non. Ça va. Ça va. Ça ramouille toujours, hein, ça ne s'explique pas. Zayn fait le travail de Fidelino parce qu'il n'a rien de mieux à faire, semblerait-il. La reine est guérie, c'est bien. Rup. Ah! 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 Et c'est pas possible! Ça doit être interdit, ça! Oh! Oh là 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 là! Oh, mais sérieux! Mais sérieux? Mais la reine, c'est une... Mais c'est la reine qui m'a largué! Non, mais ce non! Mais elle se prend pour qui? Oh non! C'est interdit de faire ça! Enfin, je crois. Erse, tu vas t'occuper de Yondo, s'il te plaît. Non, mais... Oh, les feux de l'amour, quoi. Oh, il y a tout le monde qui rompt, hein, mais personne qui se tombe amoureux l'un de l'autre. Personne. Non, non, c'est tout le monde. Non, il y en a mort. Vous allez faire comment, ensuite, pour dormir? Le roi, voilà. Le roi garde son lit. La reine... La reine, elle va aller se faire voir. Aptitude... Ce n'est plus la reine. Ah oui, bah, ils sont plus ensemble. Tant pis, on va dire que théoriquement ça serait toujours la reine, mais ils peuvent pas. C'est là. Bon, ce sera juste Abby, hein. Oups. Voilà. Il n'y a plus de reine. C'est fini, il n'y a plus de reine. La reine est terminée, sa bile sanguinaire qui est présente. Trop d'amour, ça n'a pas supporté, trop d'amour, tout ça. Ce drama. Il n'y a plus de couple dans le royaume, c'est la fin des haricots. Oh là 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 là. Ah, on a du... Oh, il y a du marbre. Ah, mais il y a quand même du marbre. Ah bah... Bah, s'il y a du marbre, bah voilà, enfin, faut que ça soit grandiose en marbre. En marbre, voilà. On va faire ça. Ça va juste prendre beaucoup de temps à rassembler tout, mais on va faire ça. Et le pissenlit ridicule, quoi. Ça fait... Le pissenlit qui frétille hors du pot, c'est un peu ridicule. Oh là 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 là. Allez, habite en position. Bah, tu perds ton statut de reine. J'ai envie de dire, tu l'as cherché. Hein? Tu seras la geôlière attitrée. Ça te va, ça? Oui, hein. Tu seras également la dresseuse attitrée. Tu vas chasser... Non, tu perds le droit de chasse. Enfin, tu vas moins chasser. Lézard. Oh, mais le problème, c'est que c'est une noble, donc elle fait quasiment rien. Ah là là! Par contre, tu ne te repousses plus comme les autres. Hein. Tu te démerdes. Tu fais ta part du boulot comme tout le monde. Et je suis pas content. Hein. Il est pas content, le fantôme. C'est tout? Et le pognon, l'or? Mais
j'ai pas. Mais si. Mais c'est pas tout ce qu'il y a dans le royaume. Non, il y a encore de la. Non, ça va. C'est pas grand-chose qui reste. Oh là là, on est pauvre. Oh. Mais personne veut acheter. Yundo, non, mais sérieux. Non. Oh, Earth. Ah. Non. Ce sera Earth qui est meilleur. Allez. Faut pas perdre une deux. Hein. Ok, l'immunité se développe plus vite que l'affection. On va quand même garder un œil là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on risque de devoir refaire un nouveau traitement. Allez, urgence. Un chasseur n'a pas d'armes. Bah, il se démerde. C'est quoi ça? Qui est rentré par là? C'est qui a tout cassé? C'est quoi le mystère du piège cassé là? Non mais... Où qui m'énerve? Zone 3. Hein. Non mais... Je vais le mettre en zone 3. Là, tu vas rire, mais tout ça. Dans l'ordre que je te redonne. On va te mettre en... Tu es con, mais à un moment il faut arrêter. Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas. Tu vas là. Tu vas ici, ici. Ensuite, tu vas là. Ah, ça va mieux de me casser les bonbons. Oh, tu m'énerves! Ah, tu m'énerves, mais ça devient quand même sacrément sidérant. On a une nouvelle recrue. Voilà. On va s'occuper de ça après. Ou tu me casses les bonbons, tu me casses les roubignoles, c'est assez. C'est tellement rapide. Mais pas là le Mufalo! Qui qu'il fout là lui? C'est nouveau? Ah ouais. J'ai oublié de. C'est toi qui casses tout! Non, Gold, je suis désolé, mais non. Non, tu comme ça. Voilà. Tu vas là. Tu priorises ça. Allez, Zouzouzou. Voilà, maintenant tu retournes dans la base. Colon. Oh, je vais t'exploser ta sale gueule. Oh, je vais t'exploser ta putain de gueule. Là, tu me casses les bonbons. Alors, je vais bien être poli 30 secondes, mais là, c'est ridicule. Oh là là, je vais pas faire ça à chaque fois quand même. Bon, la nouvelle recrue. Le roi a réussi à recruter l'heure. C'est bien, c'est une fille. Non, c'est le mec. Le mec, il était bon en coin, il était bon en mêlée, donc tu vas t'équiper, mon grand. Alors, l'air. Pompier 1, patient 1. Médecin, tu n'es pas médecin, ça c'est bien. Contrôle 1. Dressage, non, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux être transporteur. Pour aider les voisins Bix à nettoyer. Tu n'es partisan, non. Tu n'es pas. Non. Non. Dans le pire des cas, tu pourrais aider à la ferme. Tu pourrais également miner, pourquoi pas. Ça aussi, tu pourrais faire.
Construction, tu pourrais aider également. La chasse, niette. Le dressage, non plus. Les recherches, non plus. Voilà, je pense que c'est pas mal. Tac, tac, tu arrêtes tes conneries. C'est bien. Alors, tu portes quoi? Non, ça, tu dis ça, tu. Hein? Voilà. Restrict. C'est assigné. L'air, tu vas. Médiéval, parfait. On va te faire comme ça. Tu vas choisir une arme au corps à corps. Alors, hein, si j'ai bien compris, voilà, c'est ça. Tu vas prendre. Non. Non plus. Il y a une épée là. Il y a une épée là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres épées intéressantes qui traînent à gauche, à droite? Ça peut être intéressant. Allez, tu vas prendre ça, une hallebarde. Une guise arme. Ce sera ton arme. En attendant, tu dormiras ici. Ici. Donc, on va le signer. Voilà, l'air. Tu dors dans le casemate. Ah oui, on a encore plein d'armes ici, j'ai pas vu ça. Battle Axe. Oh, y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Pourquoi le cochon va chez Zayn? Je ne comprends pas. Oh là là, les zones. Les zones. Les zones sont. Voilà. Finalement, j'aurais peut-être dû faire tout ça. Hop, voilà. Pareil pour ici. On rentre plus. On ne rentre plus. On ne rentre plus. Et le reste, c'est bon. Voilà. Je vais chercher ma feuille de pseudo si je la trouve assez rapidement. Je suis étonné d'ailleurs qu'elle soit pas là. Et je reviens pour savoir qui sera notre nouveau colon. Voilà, je l'ai. Quelqu'un l'avait déplacé, c'était pas moi. Ok, donc je regarde. Donc le dernier c'était Loulou Cobra. Je regarde, il y a beaucoup de pseudos. Cobra, Loulou. Le prochain devrait être Soren normalement. Je ne l'ai pas mis, je pense. Je vérifie. Non, je n'ai pas mis Soren. Donc ce sera Soren le prochain. Ne soyez pas déçus parce que, à mon avis, il y a peu de chances que la plupart d'entre vous soient dans cette série-là, vu qu'il y a un grand nombre de demandes. Voilà, c'est Soren le nouveau. Bienvenue à Soren, qui est d'ailleurs présent sur le Discord de temps à autre. Ok. Soren est le nouveau. Et nous aurons donc quand si on arrive à recruter la fille, nous devrions avoir. J'ai plus de nom de fille. Je n'ai plus de nom de fille, donc et la personne après Soren veut vraiment être un garçon. Donc je mettrai une personne qui n'a pas précisé. Et à mon avis, ce sera Quickies. Quickies, ouais. Qu'est-ce qui est dans Battle Brothers? Alors, bon, tu m'as pas dit si tu veux être une fille ou un garçon, du moins je l'ai pas marqué, donc je te mettrai en fille parce que voilà, j'ai que 3 ou 4 pseudo-filles maximum et niveau garçon là c'est la rafale. On peut plus l'arrêter, les trucs de garçon, c'est. Alors, vêtements complexes est terminé. Ok, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre médiéval. Food storage. Tac. Pour être pratique. Donc maintenant, on va vraiment voir si ça a bien débloqué des trucs. Voilà, c'est ça. Là, je peux utiliser ça pour utiliser le lin et en faire de la laine. On a qui dans le casemate? On a Cobra et Soren.
Cobra, tes aptitudes, ménage, agriculture, artisanat, sinon c'est tout pourri. C'est tout pourri. Aïe aïe aïe. Et toi, tu... Artisanat 6 quand même. Hein. Non, on va mettre ça chez Zayn. Fidalino, pardon. On va mettre ça chez Fidalino. Il y a de la place. Hop! Soit extérieur. Ah. Bah là alors. Ça va ça, c'est pas. C'est pas le difficile. Nana, c'est dehors, j'ai froid. Non, voilà. On va faire ça. D'ailleurs, si Yundo pouvait. Ah, Yone est toujours blessé. Il est toujours blessé ou pas? Ah, l'affection. L'affection. Immunité 35, affection 23. Ça va, ça se passe bien. L'affection semble être contrôlable. Pour le moment, on va rester sur de bons espoirs. On va se laisser dans quelques minutes. Je vais voir s'il y a un truc à faire ou pas. Si c'est pas le cas, on va se laisser là maintenant. Je regarde donc ça. Ça continue à être construit. On aura bientôt terminé le rempart. Est. Je vois que. Ah, voilà. Ouais, les coffres du trésor sont quand même très bas. Hein. Oh là là. Abby a réussi à apprivoiser une dinde. Mais c'est bien. Il l'a nommé dinde 3. Bah oui, parce que Abby n'en a rien à cirer. De ce fait, tu vas rejoindre les glouglous royaux. Voilà. Voilà, dinde 2. Pareil, clou-clou royaux, je vois qu'il y a des dindes qui n'ont pas été. Je vois que je suis pas très bien attention à. Hein. Jeune dindon. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il est pas parti avec les autres? Non, ils l'ont abandonné. Je sais même pas si je peux le récupérer comme il est en bleu. Je sais pas, on verra. Bon, on va se laisser pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Bon, on a quand même eu du drama. Hein, du drama amoureux. Les feux de l'amour. Du vaudou, des tortues hargneuses, plein de choses, plein de choses, plein de choses. J'espère qu'il vous aura plu. Hein. Donc, si c'est le cas, n'oubliez pas les petits pouces bleus en bas de la vidéo, de vous abonner, de partager, tout ça, de rejoindre le Discord. Vous connaissez la chanson, vous connaissez le dicton. Et sur ce, je vous dis salut, bye bye.